Salut à tous, c'est Go et on se retrouve sur Miners Wars pour... Oula, Marcus, bonjour Marcus. Pour la découverte de ce jeu. Ok. Alors là, c'est juste après le chargement. Enfin, j'ai vu le début d'une cinématique et j'ai appuyé sur la touche pour lancer l'enregistrement. Et ça a passé la cinématique, donc je sais pas plus que vous ce qui se passe, mais... C'est un jeu dans l'esprit... C'est quoi ça? Ok. Je sais pas, je me casse, je veux juste jouer. On me donne des choses, déjà je comprends rien. Oui, donc c'est un jeu qui se passe dans l'espace. Ma foi, avec des... Le scénario est nul. Franchement, j'ai lu un peu le scénario. Oh là, j'ai cassé des choses. Le scénario est bidon, enfin, de ce que je me rappelle, pas grand chose. De ce que j'ai lu, bon, j'ai rien retenu, donc il doit pas être génial. Oh putain, il y avait une... Ok, alors... Je suis un peu déçu, là, j'ai lancé le jeu, déjà je comprends rien. Ça va être un vieux shooter. Je vais pas vous mentir, ok. Ok. J'ai rien compris. Dans ce jeu, faut pas se lancer comme ça. Hein. On me parle de partout, je comprends rien, je fail. You have been killed. oui, donc c'est un jeu, voilà, on est dans l'espace, on est des mineurs et on se bat. Voilà, c'est normal. Enfin, je veux dire, l'humanité, je crois qu'elle a plus d'autres endroits où... Elle fait la pulsion. Oh non, pas un chargement, s'il vous plaît. Le premier, il a duré 1h30, c'est pour ça que je l'ai passé. Non. Pas les chargements du démon. Non. Oui, merci. Alors, faudrait peut-être que... Il va encore arriver, hein. Et Marcus. Ah non, c'est pas Marcus, lui, c'est qui? Il a pas de nom. Oh, il rentre dans les murs, en tout cas. Et il fuit. Ok, bon, c'est n'importe quoi ce jeu, mais je prends. Ah, je peux. Oh, je peux me. Wow, et là ça devient franchement gerbant. Je vais juste prendre ça. Alors, 1. Assigne à mot type, voilà. Je sais pas ce que je fais, je m'en fous, mais je m'en fous. Je vais juste avancer. Regardez-moi ça, je comprends rien. Silver. Là, apparemment, il y a de l'argent. Il y a de l'hélium. Je crois que c'est un jeu de forage et tout. Enfin, de mineur, quoi. Sauf qu'il y a la guerre. Ok, alors je comprends rien. En tout cas les comptes... Arrête de me faire flipper Marcus, je sais pas où je suis là, c'est bon, c'est l'espace, je... Ah, voilà. Ah, il y a du magnésium là. Alors, T-Twilight the... Ok. B to Harvest, ok. Oh, oh, lol. Lol. Vous êtes sérieux, je peux vraiment prendre du magnésium quand on se fait attaquer? Bon, bah voilà, c'est facile la vie, hein. Moi je vais juste continuer pour voir ce qui... Solar Flare, ok, ça veut dire quoi? Wow, wow, c'est quoi Solar Flare? Le... Oh, le Sun! Ok, le Sun qui va nous faire du mal. Bah, c'est bon, là, je suis à couvert. Ah, une éruption solaire, non? Je crois que c'est ça. Enfin, bon, ils sont mignons, mais les éruptions solaires, ça nous épargnerait pas trop, je pense. Je comprends rien, mais pourtant, je m'amuse. Franchement, je m'amuse, là, pour l'instant. Parce que le gameplay est vachement bien foutu, franchement. On n'a pas l'impression d'être dans un vaisseau. Enfin. Super intuitif quoi, vous voyez, j'ai trouvé tout seul sans regarder les options et tout, je suis vraiment un espèce de dingue. Alors, j'ai bien envie de te harvest or. Aïe 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 aïe, mais protégez-moi. Ah, je vois ma vie, ok. Arrêtez, protégez-moi. Par contre, les vaisseaux, ils ont un design un peu de merde. Marcus, je disais pas ça pour toi, mais c'est vrai que... Si j'appuie sur M, il me dit que c'est la drill, bon, je vais me faire foutre si j'ai bien compris. Je peux le prendre là? Arrêtez de me tirer dessus à chaque fois que je le prends quoi. C'est bon, je peux plus faire mon métier quand vous m'attaquez. C'est enfoiré. Bon, super facile à jouer, mais j'aimerais sortir de cette grotte pour voir un peu extérieur parce que j'adore les paysages comme ça, mais. De l'espace là, mais bon. J'ai pas le temps. Oh, du fuel. Alors. 1. Space. Voilà, boum. Oula, oula. What the fuck? Missile. Missile! Ok. Moi je veux bien tirer des missiles, mais bon, si je vais me faire voir, j'ai compris. Ah, repair, ok. Voilà. J'ai réussi là. Apparemment. Ok, j'ai réussi. On le répare pour le péter, c'est cool. J'accepte. Je comprends rien du tout. Pas plus que vous en tout cas. A vrai dire, je me suis vraiment pas beaucoup. Il y a ce truc qui vole, c'est normal. Si je tire dessus, il bouge pas. C'est l'espace ou bien? C'est pas grave. Ils sont dégueulasses les vaisseaux ennemis. Mais je m'amuse, c'est terrible. Caméra, ammo. Ammo. Boum. Caméra, hub. Donne-moi du caméra, hub. Oh, ok. Oh. Ah, je peux regarder. Oh. Ah, je peux regarder les choses qui se passent.
Ok, c'est cool. Je suis obligé de rester dans l'astéroïde tout le long. Je suis obligé de garder une caisse. Bon, bah, je me casse alors. C'est que je te dise, moi. T. J'appuie sur T, ça me dit où il faut. Ah, ok, ici. Nom de Dieu, c'est compliqué. Ok, j'appuie sur. Wow! Franchement, j'ai l'impression. Enfin, je veux dire, je serais à pied dans un FPS, ce serait pareil, quoi. Tellement c'est bien foutu la maniabilité. Wow, Marcus, wow! Fais pas des trucs comme ça! Oh, je vais sortir, yes. Merde, je voulais. Nom de Dieu, je comprends rien. J'aimerais juste sortir de cet astéroïde de Mormoine l'œil. C'est super simple à manier, c'est cool. J'aime. Command Center, T. Ah, la T, c'est un peu la vie, ça me dit où je dois aller. Yeah! On va à la vitesse du son! Plus rapidement, même. En plus, dans l'espace, ça veut rien dire, mais bon. Je ne m'en voulais pas. D'accord. Je t'appuie sur T, vous me dites où il faut que j'aille, non? Oh, il y a un passage secret. Ta-ta-ta! Ici. Non, ici, en haut. Yes. Je sais pas où je vais, mais j'y vais avec. Ok, je les prends par au-dessus, c'est ça? Ah non, je les prends. Ok, toi, tu m'as suivi, t'es vraiment un gros malade. Alors, il disait que les. C'est moi, j'ai pas beaucoup parlé du jeu, mais c'est. Enfin, je veux dire, c'est tellement captivant ce qui se passe à l'écran. Je suis obligé de regarder. Ça demande toute mon attention. Il y a des environnements semi-destructibles, si j'ai bien compris. Cela dit, on sait pas du tout où on va. Et remarquez, c'est pas plus mal, hein, un jeu un peu comme ça où on sait pas ce qu'on fait. Enfin, moi, si ça se trouve, on aurait regardé la cinématique, on aurait tout compris, il y aurait un tuto et tout ça. Ça aurait été la fête. Ah, en haut. Et Marcus, tu pourrais pas me le dire, mais je me suis bêtement. Eject? Oh, non. Je peux sortir? F1 pour. Ok. F1 pour l'help. Ok, je m'en fous de l'help, c'est trop tard. C'est ça, il faut vraiment juste tirer la. Ah non. Ok, il y a une mine. Ah, la vie, de l'oxygène. Hop là, et moi je sors. Non? Je peux sortir s'il vous plaît, Marcus? Et c'est vachement gros, hein. En fait, ils savent pas sortir de leur vaisseau. Ils vivent dans des vaisseaux, ces gens-là. C'est des vaisseaux, en fait. Parce que je vois aucun passage pour les hommes, quoi, vu la taille des vaisseaux en plus. Allez! Putain, mais aide-moi. Ah, vous êtes sérieux? Il faut vraiment que je tire des. Ah, ok. Il faut vraiment que je tire dessus, en fait. Bon, j'ai vu de la meilleure destruction de décor, mais. Ok, 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 c'est la guerre, j'ai bien compris. Ok, là, j'ai à peine ouvert la porte, il est rentré, quoi. Ok. Ah, un autre truc à ouvrir, c'est passionnant. J'adore ça. Ah, mais on voit la vie du truc. Je suppose que je dois aller là, ouais. J'adore la maniabilité, franchement, mais pour l'instant, je comprends pas ce que je fais, mais j'aime bien. Parce que c'est mal. Par contre, ça, j'aime pas, ça, les raccourcis de. Pour ajouter de la durée de vie, j'aime pas. Enfin, les raccourcis, les, je veux dire, les manières faciles, quoi. T. Par contre, ça, c'est une manière facile de saper la durée de vie, vu que je sais direct où je vais aller. Alors, c'est tellement bordel que si on savait pas où on allait, on pleurerait un peu. Alors, là. Tout le boost. En fait, on parcourt des distances folles si vous regardez les mètres sur les trucs, mais on le voit pas parce que, bon. C'est vachement grand ce qu'ils ont fait, les bougres. Là, ok, vous êtes sérieux, en fait on sort jamais de nos vaisseaux, on est des espèces de gros sacs d'américains. On, 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 boum, biatch. Ah, ok. Et alors? Ah, il faut que je les défende. Oh nom de Dieu. Oh nom de Zeus. Eh ben, je l'ai fait là, non? Ah, enfoiré! Faut que j'aille en haut. Bon, il a dit croiser les doigts, j'ai entendu. C'est vachement facile de s'orienter ça. En même temps, il n'y a pas les dégâts quand on se prend immurci. Non, il n'y a pas. En même temps, c'est super arcade le truc, mais. Waouh. Par contre, il faut comprendre. Hein. Les vaisseaux sont hideux, les vaisseaux ennemis. Je suis désolé, je dis ce que je pense. No ammo, no armor. Ok, j'ai plus rien, je suis en slip. S'il essaie de me dire gentiment. Arrêtez, vous êtes trop. Boum. Boum. J'ai plus d'oxygène. L'oxygène se barre, je vais crever. Ah, y a un marchand. Ah, monsieur le marchand, je commence le jeu, faites-moi. Ah, je peux pas me cacher dans ce putain de jeu, ils me retrouveront toujours. Marcus, aide-moi, tu sers à quoi? Putain, mais Marcus, mais. En plus, il me bloque pour pas que je le tue et lui, il le tue. Alors. S'il te plaît, vends-moi des choses. Ah oui, tout trade, merci. Qu'est-ce que tu vends, toi? Tu me disais comment ça marche ce putain de truc?
1 to trade. J'appuie sur 1 là. On est d'accord? Ok, je suis content. C'est-à-dire l'autre 1, parce que là j'appuie sur le 1. Le 1 au-dessus de QWERTY là, enfin de AZERTY. Et l'autre 1 en fait c'est ma touche d'enregistrement. Et ça c'est pas mal ça. Ok, repair, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut à part de les munitions. Ça, on va pas chialer pour peu, pour si peu. Ouais, donc 1 c'est ma touche pour lancer l'enregistrement. Donc si je rappuie, et ben y'a plus de vidéo. Ok, alors là, je vais gerber à la fin de la vidéo. Avant la fin même. Oh non de Dieu. Oui, j'ai pas de munitions, elle arrête pas de me le dire la grognasse. Faut que je monte apparemment. De toute manière, j'arrive pas là, il y a 40 000 personnes. Ok. On y est, on y va, on rush. On pense pas aux conséquences, on y va, on va tomber sur un groupe d'ennemis. Hop les, je m'arrête comme un boss. Oui, je copie. Ah, merci. Ça m'énerve, je sais pas comment les prendre. Laissez-moi les prendre. Ah, il y a un truc de... Solaire flare. Attendez, là, il y a quelque chose qui va pas, c'est que je peux pas jouer. Ok, contrôle. Alors, au nom de Dieu. Au nom de Zeus. Navigation, je dirais. Non. Système 1. Use GPS. Zoom in, zoom out. Ah, c'est I. Attendez, c'est I depuis tout à l'heure, là. Ah, putain, c'est I. Quelle bande d'enfoirés. Je suis vraiment un gros débile, hein. Vous aurez pas pu me le dire, vous. Alors. Bah, c'est cool, il y a beaucoup de munitions dans cette boîte, dis donc. Moi qui comprends rien ou quoi, là. Il y a pas de munitions là-dedans. Que cette espèce de foutage de gueule. Ok, alors j'ai du fuel tank, ok, j'ai plein de missiles. Ok, alors en fait j'aurais pu faire du... Je suis vraiment con, hein, et vous me le dites pas quoi, vous me laissez dans la merde. Ah, de la vie. Ah ouais, je suis content de regarder de la vie. Bon, d'enfoiré, y'en a pas. T, par là. Bon, on va jouer au missile, hein, en survie. Ce jeu est un peu trop simple pour moi, donc je joue comme ça. Ok, alors c'est fermé, boum. Je peux passer à travers les grilles, yeah. Non. Bon, en tout cas ça change. Normalement ça change ce jeu. Par contre les munitions, je dois avouer que ça me fait... Arrêtez de tirer comme des gros dingues là, vous me cassez l'oreille gauche. Juste l'oreille gauche, en plus j'entends juste à gauche. Oula, par contre des fois on sait pas où on va. Bon alors comment je fais? Allez, tue-le Marcel. On est un peu dans... Enfoiré, il vient me chercher moi, hein. Bon écoutez, on va essayer de... Non, bah... Peut-être les... Non. Allez vous faire voir, je vais essayer d'aller vers... Il y a un espèce de bug son ou je ne sais quoi qui me fait mal. Ah, où est-ce que je suis? Je ne sais pas. Je ne sais pas où je suis. C'est magnifique. C'est la beauté du sport. Ah, mais j'étais là tout à l'heure et ça vous me le dites pas non plus. Mais vous, vous devez rien comprendre déjà quand on joue, c'est... Waouh, faut concentrer son cerveau, j'ai mal à la tête. C'est fermé, ils comprennent pas ça. Oh le nom de Dieu. D'où il vient lui? À gauche. Ah, il faut que je mine. C'est ça. Putain, ça me casse les yeux. Là. Ah. J'appuie sur T. Merde, c'est quoi la touche? F. C'est pas ça. Ah là là, mais fais ton job, Marcel. E, T, F, R. R sert à zoomer apparemment. J'espère que je sais dézoomer. Non, je sais pas faire. C'est cool, on va rester comme ça jusqu'à la fin du jeu, les mecs. C, V. C'est bon. Nom de Dieu. W, Y, H. H, c'est la lampe. B, A. C'est vraiment une belle saloperie, hein, ce jeu. Parce que là, je sais pas où je dois aller. Et l'autre enfoiré de Marcus, il va pas m'aider. Ok, alors je vois plus rien si j'ai plus ma lampe, donc c'est pas la peine. Bon, bah écoutez, on va essayer de miner par là. Si on prenait un peu ce qui se passe dans ce jeu, ce serait plus simple. Allez, tu touches là. Je vais vraiment me faire chier à faire ça. Aïe, j'ai miné à peine en plus. Attends, toi tu viens par là, donc moi je reviens en arrière et je vous emmerde tous. Je vais voir ce qu'il y a là. C'est quoi ça par terre? Ah, c'est une tourelle qui sert à rien, bien sûr. Donc, on va aller par là. Si ça se trouve, c'est juste par là qu'il faut aller, quoi. Fuck. Comment vous voulez que je sache où il faut que j'aille?
Pour quelle sorte de magie vaudou est-ce que je suis censé faire ça? Ah non, ouais, ça, il faut que j'aille là, mais il y a des grilles de partout, c'est un enfer carcéral. Donnez-moi ça! Je suis piégé. Oh non, de Dieu, je comprends rien, j'ai gerbé d'emploi. Ah, les mineurs. Ah oui! Putain, Marcus, allez! Je dois tout faire, Marcus, tu veux pas tirer dessus, s'il te plaît? J'ai plus. Oh! Marchand! Ok, on est juste là en fait, on tourne en rond dans cette station là, Mormolneuil. Alors, I! C'est bon, je. Oh merci, mais. 1500, putain, c'est vraiment du foutage de gueule, sérieux. Laisse-moi juste t'acheter tout ce que tu vends, espèce de marchand de merde. On peut s'améliorer tout. Oh, mais wow! Peut-être plus poussé que ce que je pensais, moi. En tout cas, je me casse quand même, ça va pas m'empêcher. Alors, les choses sont fermées ici. Les choses vont s'ouvrir. Eux, j'étais censé les sauver, les mineurs, mais ils auraient mieux s'en tirer sans moi, quoi. Il n'y a pas d'ennemis, donc. En fait, là, j'arrive, je fais une brèche pour qu'ils se fassent défendre. Voilà, je fais une brèche, j'amène des ennemis. Forcément, là, je dois les défendre. Connerie, ce jeu. Merde, merde. Oh, la touche fatidique, c'est bon. Tintin, il suffit de jouer comme ça, quoi, et c'est bon, on devient barge. Si on l'est pas déjà. Ah oui, alors contrôle, ça sert aussi à tirer. On ne sait pas pourquoi. Attends, je peux changer la vue? Lol. Oh! Third person! Third person! Vous voyez ça, les gars? Comme c'est encore plus injouable. Oh non, de Dieu, là, ça te donne envie de pleurer, là. On va rester en cockpit parce que c'est stylé. Où sont les femmes? Où sont les enfoirés, plutôt? Bah, je vais aller là, écoute. Ah! Non, je vous ai pas abandonné, je vous ai juste laissé pour mort. Secure. The situation is a bit more. We had massive casualties. The enemy crushed our defenses. This place okay. Is ready to blow. Mais oui, cet endroit est en train de mourir. Wouah, là c'est le couloir de l'étoile de la mort. Aïe. Ah, qu'est-ce que tu fais là, espèce de communiste? Il a une étoile rouge. Oh, Marcus qui se met devant pour que je meure. Alors ça, je m'en souviendrai, Marcus. Déloyal Marcus, comme on l'appelait. L'infâme. Ah, c'est des Russes en plus. Non, mais sont-ils sérieux, quoi? Même dans l'espace, les Russes, ils trouvent le moyen de nous faire chier, c'est quand même dingue. Hein. Putain, la mentalité des Russes dans les jeux, c'est quand même ouf. Hein. Ah là là. Est-ce que c'est un jeu développé aux États-Unis? Je me le demande. Pourquoi tant d'acharnement? Je suis pas au bon endroit, en fait. Pourquoi tant d'acharnement sur les Russes? C'est ce que je me demande encore plus. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les pauvres Russes? Attendez, même dans l'espace, ils trouvent le moyen de nous faire chier alors que l'humanité est au bord de... Lentissement. Remarquez, je sais pas si c'est ça le scénario, hein. Moi je dis ça, mais si ça se trouve c'est juste combine, mais bon. Il y avait une connerie, vu qu'il y a les Russes qui nous attaquent, vous savez, avec des vaisseaux bien hideux. Avec une étoile rouge pour bien dire on est russe. On est communiste. Ah, des choses. Merci bien. Ah, wow, 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 j'aurais pas dû prendre des réparations là, wow, wow. Bon alors, si je fais T, où est-ce que je dois aller, bitch? Ok. Wait, ok, on doit attendre. On doit attendre Madeleine, vous êtes sérieux? Madeleine, Madeleine, c'est pareil pour moi. Vous avez pas trouvé un nom un peu plus horrible? Ah, Weapon Control. Yes. Yes, Autocanon Tower. Yes. Vas-y, Autocanon Tower, tire. Aide-nous, Autocanon Tower. Et c'est... Moi, j'ai jamais vu des vaisseaux qui bougent comme ça dans ma vie. Hein. Oh, putain, Marcus. C'est un espèce de grand dingue, Marcus. C'est pas ce qu'il veut, lui. Et puis, je sais pas pourquoi tous les gens s'appellent Marcus dans les jeux comme ça. Enfin, dans les jeux, quoi. En général, les coéquipiers, c'est Marcus, quoi. Pas le choix, Marcus. Ouais, bah, Madeleine, elle va peut-être se bouger le cul. Madeleine, comme vous voulez, je m'en fous, c'est pareil. C'est un nom de merde. J'espère qu'il y a personne qui s'appelle Madeleine qui regarde la vidéo, ce serait très douloureux. Disons que c'est joli, mais bon, en 2080, il sera peut-être abandonné, non, le prénom. Enfin, je sais pas. Ou alors, il a fait une percée et il est repopulaire, mais... S'il a déjà été, mais... Ok, oxygène et ok, je suis un peu dans la merde, c'est ce qu'ils me disent. Ah, là, j'ai vu. Voilà. Reaper. Mais oh, oxygène leaking, mon cul, je me suis repair de partout, enfoiré. Reaper. Reaper, voilà. Il y a vraiment des conneries, la voix, là. Transferring. Je sais pas ce qu'il essaye de faire. Où est l'entrée, là? Je veux rentrer, là. Il y a des choses, voilà, de l'essence. Pas comme si je regardais jamais mon HUD. Ah, par là, voilà, c'est fourbe. J'étais déjà là, non? Il y a 3 secondes, ouais. J'ai l'impression que c'était pas le même. Vous savez, c'est dur de se repérer hein, quand on tombe comme ça. J'ai un peu shooté un allié, ça a pas eu l'air de le déranger.
Mon cerveau va exploser. Mon cerveau et le vôtre encore pire. Enfin, si vous regardez cette vidéo, les mecs, vous êtes un peu des survivants de l'enfer. Ok, des ennemis détectés pour changer. C'est gentil de m'avertir, il y en avait pas assez. Faut que je sache qu'il y en a, quoi. Les Russes, ils abandonnent rarement. Tout dans les jeux vidéo, ils sont prêts à sacrifier des millions de personnes. Ils s'arrêtent jamais, les assauts s'arrêtent pas dans les jeux vidéo. Les Russes, c'est genre... ils ont des ressources illimitées, quoi. Bon. J'aime bien attendre. En me tapant un peu de partout avec mon vaisseau. Ah. Alors là, ils ont aucune chance, quoi. Ils viennent d'ici, les pauvres. Les pauvres bougres. Pauvres bougres. Ils arrêtent de me suivre, mais... Tiens, on peut les shooter, c'est marrant. Marcus, tiens. Wow, wow. J'ai cru qu'ils répliquaient, les alliés. Ils ont pas les balls. Mais... Oh, c'est quoi ça qui vole, là? Je l'ai détruit. Ah, on peut se casser. Ah, il y a Madeline. Madeline, tiens. Oh, c'est beau. Ah, bah voilà, moi, je veux combattre dans ça, putain de merde. Alors, je veux juste voir à quoi ça ressemble. Ok, c'est juste un astéroïde, quoi. C'est quand même Da Astéroïde, hein. Ah ouais. C'est pas le petit astéroïde, c'est Da Astéroïde. Là, c'est beau, là, vous voyez. Là, ça donne envie de jouer, mais le reste, j'ai pas compris l'intérêt. Ok, alors, qu'est-ce qui se passe, là? On se fait attaquer par les Russes. Madeline. Chut. Laisse-moi rentrer. Est-ce qu'on peut rentrer pour de vrai? Non, on peut pas. Ah, si. Oh, énorme. C'est quoi ça? Oh, c'est la matrice. Ok, je suis content. C'est moi qui pilote le vaisseau aussi. Bah vas-y, pourquoi pas. You have reached. Oh, je peux trade avec toi, bitch. Alors, je peux t'acheter de la vie. Un fuel tank. Ah, je peux te vendre un peu. Tiens. Faudrait, je sais pas combien je te le vends, mais je te le vends. Quoique, je vais le garder, j'ai pas confiance. On se casse. Press home. Oh merde, c'est quoi home? Espace. Oh non, de Dieu, c'est... Ah. Non. Non! On trouvera jamais la touche! Non! On va regarder les options. Oh non, de Dieu. Tchèski, c'est quoi cette langue? Non, oui, bah anglais, oui, je vais peut-être pas me mettre en tchèski. Non, mais je refais la même erreur. Hein. Pourtant, il y a marqué contrôle, mais bon. Alors, navigation, home. Nom de Dieu. Ça aurait dû être plus facile. Hein. Home. Home. Travel, home. C'est quoi cette touche home? Sur mon keyboard, ça n'existe pas, home. Maintenant, mettez-moi des vraies touches. Y. Oh, vous êtes sérieux? Il y a tout qui a signé dans ce monde du jeu de merde. Ok. Bah, Y, je vous en... Non, U. U, voilà, U. U, c'est pas utilisé, ça m'étonne, ça. U. Oh. Oh, l'univers est petit. Oh. Oh, vous êtes sérieux? Mais êtes-vous sérieux avec ce jeu? Non mais Russie, Japon, Chine, what? Le quatrième quoi? Le quatrième Reich? Vous êtes sérieux? La Russie là, on sait pas pourquoi. Non mais qu'est-ce qu'il y a là? Nouveau jeu. Ok, il y a Jérusalem. On est d'accord, il y a Jérusalem. Et l'Asie. Et l'Asie. Ok, mais il y a rien qui vient de l'Europe. Ah, si, ça. EAC, ça doit être l'Europe, non? Oh nom de Dieu, je comprends rien. Alors, nous, on est là au milieu de rien. On peut aller sur le soleil? La taille du soleil m'inquiète un peu. Et la forme du soleil aussi. Le Japon, allez vous faire voir. La Russie, je l'aime bien, moi. Je vois pourquoi on est ennemis avec eux, mais c'est n'importe quoi. Pourquoi il y a la Russie? Pourquoi il y a le 4ème Reich? Pourquoi? 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 On va aller voir, mais... je comprends pas. Arrêtez le massacre à essayer de faire des histoires dans les jeux. Putain. Inventez des trucs, nom de Dieu. Inventez des pays où je sais pas. Russie, quoi. Quatrième Reich. Alors ça c'est... Ouais. Ça, c'est un peu la révélation. Quatrième Reich, hein. J'aimerais bien qu'ils aient écrit, vous savez, un scénario pour expliquer comment on en est arrivé là finalement à la Russie qui est retournée qui est retournée au communisme pur.
Marquez peut être bien meilleur en ce moment, mais enfin un petit peu quand même. Et le 4ème Reich surtout, ça je suis intrigué. Le 4ème Reich, comment c'est arrivé? Alors, beaucoup d'astéroïdes. Faut que j'aille là, je vais encore m'enfoncer dans cette merde d'astéroïdes. Nom de Dieu. Là c'est pas mal, vous voyez, mais moi je veux des combats ici, pas ailleurs. Oh, j'ai fait un trou, voilà, donc ils sont vraiment semi-destructibles. Bon, après, va aller en péter un, ça va vous coûter un peu cher. Non, je suis... Tu comprends pas que je t'aime. Wow! Ouais, c'est marrant parce qu'ils ont fait comme quand on tire, on est dans l'espace, du coup ils bougent, mais cela dit, je... Enfin, corrigez-moi si je me trompe, mais quand on tire, ils devraient pas s'arrêter de tourner alors, non? Y a rien qui pourrait l'empêcher de tourner, enfin bon. Ouais, il se remet tout seul, quoi, mais bon. D'accord, je suis content, bah écoutez, j'arrive. Pourquoi chez les Russes? Ah non, je vais pas faire d'autres commentaires, c'est... Le scénario parle de lui-même, quoi, il est assez puissant, je trouve. Ah! Alors. Qu'est-ce que ça veut dire? Je lis les Russes. Bienvenue. Nous ne sommes pas communistes. Je sais pas quoi dire là. Oh salut. Tu ressembles à Poutine toi. Fire quoi, quoi fire. Ah et bien sûr les Russes c'est des grands foirés, c'est bien connu. Nom de Dieu les Russes là. On est des Américains quoi pour qu'ils nous détestent comme ça. D'ailleurs j'ai pas vu les Américains alors ça. J'ai pas vu les Anglais aussi, ça me fait plaisir. Par contre ils sont peut-être tous dans l'EAC en fait. Ça doit être l'OTAN le AC ou je sais pas ce qu'ils ont fait avec leur scénario sérieusement. Ils en auraient pas fait, c'était pareil. De toute façon, on va me dire dans les commentaires, il est passionnant le scénario. Tu ne comprends rien, il est tout expliqué. Ok, j'ai été tué, on s'arrête là, c'est... Non là on s'arrête là. Merci d'avoir regardé ce jeu. Nom de Dieu. Pourquoi? Pourquoi le 4ème Reich? Pourquoi? Pourquoi? merci d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, le jeu a l'air assez complet. Si vous arrivez à supporter ça, plus de 30 minutes avec votre cerveau supra développé. Si je fais ça. Non, non, ça me fait encore plus mal. Oh, et toi, j'aurais. Putain de Marcus. Voilà, donc je crois que c'était pas très cher ce week-end. Là ça doit être un peu plus cher. Enfin bon, vous avez vraiment acheté ce jeu les mecs. Cela dit, au-delà du 4ème Reich qui moi ça m'a plombé. Ou l'URSS là. Ils ont même pas changé de logo pour faire semblant. Ça a l'air assez complet, il y a un système de commerce et tout, j'ai l'impression. On peut voyager un peu dans l'univers. Enfin dans l'univers, dans le système solaire. Et bon, je connais pas assez le jeu pour juger, mais là, ce que j'ai vu, bon, le gameplay en tout cas est vachement sympa. C'est vachement bien foutu, mais je sais pas. Je me vois pas y jouer de longues heures, vous voyez. Surtout avec ce connard qui me suit. Et Madeline Sappho, là, tiens, mange-toi ça. J'aurais bien aimé des combats de plus grande envergure, enfin, je sais pas, des combats spatiaux, pas forcément dans des astéroïdes où ça nous pète les yeux, quoi. Parce que là, ça. Oh, mais tu me rentres dedans en plus! Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'arrête là parce que voilà, hein, j'ai arrêté de dire j'arrête là 20 fois avant d'arrêter. Donc, pour ne pas le redire, j'arrête là. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à plus pour la prochaine, sûrement pas sur ce jeu. Allez, salut. On va directement au bleu. Nom de Dieu. Il vient de l'ajouter dans les mises à jour, je crois. Ok, bah il a pas plus longtemps. Oh putain, la déception. C'est un prix d'oiseau, c'est toi. Ah oui voilà, et ça ruine notre feu. Non, 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 c'est un peu fini, et oui, alors on va continuer directement à se déporter de monde en monde, parce que c'est ça l'aventure en fait. Ce que je faisais, moi c'était plus un...